Je m'appelle Florent Bonne, je suis responsable de production chez SKF Aero Engine France à Valenciennes. Jean-Sébastien Fromont, j'ai intégré le groupe SKF et le site de Valenciennes pour la partie SKF aéronautique il y a 2 ans maintenant. Je m'appelle Sébastien Payet, je suis responsable production au sein du site SKF Aero Engine France situé à Valenciennes. Nous fabriquons des roulements en billes et à rouleaux pour l'aéronautique et l'aérospatiale. Nous avons travaillé avec vous, Kevin et Maïs, et nous avons utilisé la théorie des contraintes pour améliorer la performance industrielle de l'usine. On est sur le site d'SKF, donc un site de 700 personnes avec des temps de cycle importants, des petites séries dans le monde aéronautique, beaucoup de fabrication à suivre en même temps. Donc ce qui fait qu'on a une multitude de flux, beaucoup d'opérations à réaliser sur différentes machines, et on n'est pas sur une ligne de production automatisée. Donc tout se fait avec la main de l'homme. On avait des difficultés à sortir les commandes par rapport aux besoins clients. La théorie des contraintes nous a permis de nous focaliser sur le bottleneck qui était la fabrication des cages, notamment le perçage. Toutes les ressources se sont focalisées sur cette problématique et seulement sur cette problématique. Ce qui nous a permis d'augmenter la sortance du channel, de la ligne de production, mais également la sortance de l'usine. Le fait d'être passé par la théorie des contraintes, ça nous a permis d'augmenter notre productivité globale au niveau du throughput de l'usine, d'arrêter d'avoir le hook and stick. Donc en début de mois, on produisait. À milieu de mois, on voyait qu'on n'avait pas forcément les résultats par rapport à la facturation. Ça, c'était vraiment engendré par des machines qui ne délivraient pas une sorte de composant et qui désynchronisaient tout le reste. Du coup, l'usine, pour compenser cet effet, travaillait énormément sur les autres flux, et donc générer finalement les composants qui étaient nécessaires, mais dans tous les derniers instants du mois. Ça crée du stress pour les équipes, franchement c'était pas continu, et après on recommençait ça différents mois, mais c'est pas propre à cette entreprise, c'est dans différents secteurs, dans différentes industries. Le phénomène d'hookistique, si on peut l'appeler comme ça, ce phénomène a disparu en travaillant justement sur nos contraintes. En dégoulottant la contrainte, la synchronisation de nos composants a été fortement améliorée, et du coup le phénomène d'hookistique a disparu. Forcément, c'est du cash supplémentaire parce qu'on livre rapidement le client en temps et en heure. On stocke moins de produits finis, ce qui nous permet de gagner de l'argent. On a diminué l'encours, ce qui nous a permis aussi d'injecter moins d'argent dans la matière et dans la valeur ajoutée fabriquée. Et le temps de traversée qui a été très raccourci. Donc ça, c'est quand même un bénéfice non négligeable. C'était apprécié d'ailleurs par nos clients qui ont remarqué justement nos progrès. Et ceux qui nous ont félicité justement parce qu'ils ont vu l'amélioration de leur livraison et notamment sur les différentes semaines du mois. La DBR, c'est le bon sens paysan. On simplifie des flux très complexes et on dit voilà, on met en entrée une quantité de pièces pour avoir en sortie une quantité de pièces, même si on a plusieurs mois de fabrication à différentes machines. Et le but de DBR, c'est vraiment de l'adapter par rapport au marché. C'est-à-dire qu'il y a une sortie de 1000 produits, on va injecter 1000 produits dans l'encours, histoire de ne pas avoir de variation justement de l'encours et de sortir que l'encours nécessaire pour livrer le client. Si on raisonne avec la partie automobile, on crée un tag time artificielle adaptée pour l'aéronautique, pour pouvoir justement avoir une pulsation et donner un rythme dans l'organisation. Depuis une dizaine d'années maintenant, je peux dire que nous avons augmenté notre sortance d'environ 50% très rapidement depuis l'année dernière, mais également nous avons augmenté la productivité globale de l'usine de 30%. Cet outil DBR, il fonctionne sur la cadence de nos machines Volvo et il permet de travailler en flux tiré avec les approvisionnements de l'usine, ce qui a permis de obtenir, on va dire, une réduction forte du temps de traversée. On est quasiment coupé en deux notre lead time grâce à un flux tiré entre nos machines goulot et l'entrée de l'usine. Les goulots, avec l'histoire de l'usine, se sont déplacés. L'un des premiers goulots de l'usine était le secteur cage, qui fabrique les cages de roulement. Les actions qui ont été mises en place, c'était d'anticiper tout ce qui était réglage, toutes les préparations, c'était d'augmenter aussi les temps d'ouverture, là où on pouvait le faire, et également de focaliser tous les services supports pour pouvoir remédier aux différents problèmes rencontrés, que ce soit méthode ou maintenance. Le goulot s'est ensuite déplacé en
rectification, par exemple. Et là, nous avons également travaillé sur notre organisation industrielle, en améliorant les temps de réglage, en formant davantage nos opérateurs, en introduisant l'outil de DBR. Nos goulots sont nos machines bottleneck, elles sont les plus importantes de l'usine et donc à ce titre elles ne doivent jamais s'arrêter. Tous les jours on a un suivi, un Gemba Walks qu'on appelle chez nous, par le top management piloté par notre directeur d'usine avec les responsables de département, où on fait le tour dans les différentes zones, différents points au niveau des ateliers tous les jours. On regarde le niveau de sortance, le niveau d'encours, et par rapport à ça, ça nous permet de voir les stagnations et voir justement où on avait des bottlenecks qui peuvent être ponctuels ou bien réguliers et de pouvoir prendre des actions. Nous avons déployé des andons sur les machines, des lumières, des vérines rouges, vertes, jaunes, qui nous permettent de tracer en temps réel les arrêts machines et leur performance. Ce système nous permet d'améliorer en permanence, par l'analyse des données, la performance de ces machines. Soit nous arrivons à mettre en place un SMED supplémentaire ou une formation d'opérateur, où nous revoyons également le process qui a mené à des arrêts. Nous améliorons en continu la performance de bottleneck et nous permettons à l'usine de travailler en meilleure productivité. Au-delà des effets capacitaires, d'alignement de capacité sur l'advent client, elle introduit aussi la notion d'amélioration continue, à savoir que cette méthode nous permet de bien focaliser nos efforts sur les machines goulots qui limitent notre flux et nous amène à travailler sur les causes racines de la non-performance. On va se rendre compte que c'est des actions qu'on peut mettre en place très rapidement. Derrière, c'est juste du bon sens paysan. Et avec l'adéquation et le travail en équipe au niveau justement des différents services, pas uniquement dans la même équipe d'un service, ça permet de faire des résultats mais faramineux, quoi. On a pu le voir sur notre site. Et un des gros bénéfices, c'est que tout le monde travaille ensemble dans tous les services. Et ça fait un point qui est très positif. Et à chaque fois qu'on se rend compte justement qu'on a une opportunité d'amélioration, chacun travaille en équipe pour pouvoir la résoudre et nous améliorer au niveau du flux. C'est-à-dire qu'on ne raisonne plus uniquement en termes de chiffres, maintenant on travaille en termes de flux. Et c'est ça qui fait aussi la progression du site. Avec beaucoup de bon sens, on arrive à mettre en place la théorie des contraintes dans cette usine. C'est très très bien de se faire accompagner et ça rassure les personnes. Moi j'ai vu dans mon équipe, ils connaissaient les concepts de loin. Le fait d'avoir fait la formation, ça leur permet de mettre des mots sur des choses qu'on peut leur demander, de comprendre pourquoi ils font, et ça a vraiment un intérêt. Et en sortant de la formation, les gens étaient très motivés. Ce qui s'est passé, c'est que la gestion du flux telle que nous la mettons en place a été comprise davantage de par cette formation. Les méthodes de lancement s'ajustent par rapport à cette compréhension du flux et également l'alignement entre chaque personne et entre les différentes fonctions. On a bien compris que le focus était la TOC, le bottleneck et l'encours. Donc les équipes sont très enthousiastes à l'issue de la formation et comprennent davantage les rouages de l'entreprise et à leur niveau sont plus aptes à comprendre le flux et à générer des actions d'amélioration pour éviter des goulots ou des points de blocage. Également, ce qui était très intéressant, c'est les échanges. On va voir que peu importe le secteur d'industrie, chacun des problématiques de flux, et on se rend compte que beaucoup d'industriels ont ces mêmes problématiques à différents niveaux. Sans aucun doute, il faut aller vers la théorie des contraintes. Je suis un peu surpris que la TOC ne soit pas enseignée dans les grandes écoles. C'est vraiment la focalisation sur une cause racine et tout de suite, on a les résultats. L'avantage est de se reposer les bonnes questions. Quels sont les éléments qui bloquent ou qui freinent mon usine? Et c'est important parfois de se remettre en question à travers une nouvelle méthode. Après, pour la mettre en place, il faut être convaincu comme n'importe quel outil. Par contre, la TOC démontre très rapidement une efficacité jusqu'alors très peu rencontrée dans l'utilisation d'autres outils. Et derrière, il faut savoir que ça tape sur l'encours, le cash flow, sur la sortance et la livraison des clients. Donc c'est une méthode qui est très très efficace. Pour moi, c'est l'outil par excellence.